sentimentalement, j'ai beaucoup d'attaches sur le secteur. Tout le passé. J'ai passé toute ma jeunesse à Villapourçon. J'y suis né, mes racines sont ici. J'ai tous mes ancêtres qui sont là. En fait, c'est mon coin. J'ai ma maison. Les lieux, la nature. La verdure, la fraîcheur. L'environnement. La sauvagerie. Un paysage magnifique. La nature, c'est un fait. On a cherché le calme, on a cherché la nature. Le plaisir de ramasser les champignons. Et le plaisir de tous les offrir. C'est un paysage qui est ouvert. Quand vous allez sur les hauteurs, vous voyez très très loin. En revanche, c'est quand même cocon, l'espace. Il y a des champignons qui poussent, il y a des choses qui ne poussent pas ailleurs. Des girolles, des cèpes ou des chanterelles d'automne. Le calme, loin des foules. Tranquillité absolue. Là. On n'a pas de... On ne se penche pas les uns sur les autres, puis c'est très bien. Quoi. On n'entend pas tout le temps des autres gens, des avions, des voitures, des scouts, des tout. Il n'y a pas beaucoup de personnes ici, mine de rien. Ici, on peut être zen, on peut être à l'aise. La liberté qu'on n'a pas forcément quand on est en ville. On peut marcher pendant des heures, on peut même hurler dans la forêt, il n'y aura personne. On se promène dans un bois, on ne rencontre personne. Il y a moins de gens pressés ici. Une espèce de vérité, quoi, qui est complètement diluée quand on est en ville, quand on est en espèce de folie furieuse d'agitation. Je préfère découvrir ici les choses, en fait. Je trouve que c'est aussi bien que d'aller très très loin. Le site de Bibracte, qui est le plus grand, un des plus grands oppidums européens. C'est chargé d'histoire, de magie. Un site aussi magique, un site historique. César y a écrit la guerre des Gaules. Les amitiés qu'on a tressées. J'ai rencontré plusieurs personnes ici depuis que je suis venue ici, depuis toute petite. L'authenticité des gens. Les gens ne sont pas renfermés sur eux-mêmes parce qu'ils partagent beaucoup dans un village. Les gens ici qui ont un caractère différent, qui sont moins stressés qu'à Paris. Autrefois, il y avait des veillées, les gens venaient les uns chez les autres pour taper le carton, boire un petit coup de shopping, hein, danser. Les fêtes des petits villages autour. Il y a des activités un peu partout dans les petits villages. Il n'y a pas une famille dans le Morvan où il n'y a pas un instrument de musique. Le sourire et la bise d'une charmante Morvandelle que j'ai aperçue depuis longtemps. Oh.